Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour la découverte du tant attendu Final Fantasy XV. Et on peut dire que celui-ci, ça fait un petit moment qu'on l'attend, 10 ans pour être précis. Donc voilà, il s'est fait attendre, mais enfin, il est arrivé. Nous sommes sur PlayStation 4 et aujourd'hui, on va faire la découverte de ce nouveau Final Fantasy qui, à ce qui paraît, c'est un truc de ouf. Bon, sans plus attendre, on y va! Voici l'histoire d'un monde en péril et d'un roi destiné à le sauver. L'heure est venue. Tout est en ordre pour ton départ, Prince Noctis. Merci, Votre Majesté. Trace ta route, et que les dieux veillent sur toi. Oui. Eh ben, les princes ont des privilèges, on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse! Quoi encore? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Alticia au péril de notre vie. Corne nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non? Rautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous de même, Majesté. Prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. Pourquoi t'en faire pour moi? Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils. Voilà, chapitre 1, le départ. Le prince Noctis Lucis Caelum part pour un pays voisin où la cérémonie de son mariage doit avoir lieu. Il voyage à bord de la Regalia, la voiture préférée de son père, accompagné de ses trois plus proches amis. Ah, apparemment ils sont en panne. On n'avance pas. Pas cool la vie à la campagne. Plus dur que je le pensais. Pas le choix, faut continuer à pousser. Hein? Oh, si je continue, vous aurez ma mort sur la conscience. Bouge tes fesses. Pêche. Ça va, j'ai compris. Dites, c'est pas la voiture qui doit nous transporter? Ouais, ce serait bon. On beau. Y va. Un, deux... 3
Donc la voiture est en panne et comme par hasard il faut pousser. Voilà, la voiture préférée du roi, je sais pas pourquoi elle avance pas, ils ont pas dit. Donc on commence bien l'aventure, tu sais, hein, en train de pousser une bagnole. Eh ben ça valait le coup d'attendre les 10 ans hein, pour l'avoir le jeu. Hein. Voilà, bon il y a un truc qui se passe là, attends. Oh, c'est bon? On a fini de pousser. Bon, le monde est quand même plutôt joli, hein. Aïe, 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 Final Fantasy XV. Ah, c'est vrai qu'on l'attendait depuis un petit moment. Donc, nous voici à Hammerhead. Donc, c'est la localité. Voilà, c'est là où on est. Donc, j'imagine qu'on va trouver un petit garage pour qu'il nous répare la bagnole, hein, parce que ça serait un petit peu plus pratique, quand même. Ok. Dis donc, c'est une mécanicienne qui a un peu chaud. D'accord. Le petit string qui dépasse. Cindy, la petite fille de Sid Sophia. Je suis mécano ici. Dépêchez-vous de la rentrée. De quoi qu'il parle, la rentrée de quoi? Je vous a pas dit de faire attention à sa voiture. Ah, ok. Il mérite d'être traité avec délicatesse. Attention, parce que quand tu amènes ta fille comme ça, que tu dis dépêchez-vous de la rentrée, ça pourrait prêter à confusion. Ok, donc l'aventure va pouvoir commencer. Nous avons laissé la voiture au garage et j'imagine que on va devoir se balader un petit peu en attendant que la voiture se fasse réparer. Hein, quoi? Qu'est-ce que... Dites, les gars. C'est la première fois que vous venez dans le coin? Bah oui. La région. Tenez pour pas vous perdre. Merci. Voilà, une petite carte du continent. L'icône du restaurant est affichée sur la carte de navigation en haut à droite de l'écran. Commencez par vous y rendre. Ok. Autant profiter, non? Alors, je vois le restaurant. On va aller au resto. On va aller bouffer un petit bout. Regardez. Qu'est-ce que nous avons ici? Faire le plein. Ouais, bah je vois pas qu'est-ce qu'on va remplir là du coup. Mais c'est quoi un guil? Ok. Donc, on va... Bah allons manger un petit bout. Bonjour toi. Tu pourrais me faire un petit hamburger? Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Information, menu, contrat de chasse. Ah! On va commencer par l'information pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc carte mise à jour. Sanctuaire, parking. Ok. Bon, bah il y a pas mal de choses. Je sais pas ce que ça correspond, mais j'imagine qu'avec le temps, on va le savoir. Ensuite, le menu. Ah. Alors, on a du chili con carne. Et on a du rambalaya. Je sais pas ce que c'est du rambalaya, mais ça m'a l'air épicé, ça a l'air bon. Ah oui, attends, ça coûte. Ça coûte. Eh, j'ai zéro, Jill. Ah, j'ai pas de thune, en fait. D'accord. Vous n'avez pas de... Jill. Alors, le Jill, c'est la monnaie dans Final Fantasy, mais ça a toujours été comme ça. Ou en tout cas, aussi loin que je me souvienne, le Jill a toujours été la monnaie. Hein, déjà à l'époque, sur Final Fantasy 8, c'était ça. Ok. Il y a parfois des contrats de chasse sur les créatures qui représentent une menace pour la population locale. En les remplissant, vous pouvez recevoir des Jills ou autres récompenses. Commencez par accepter un contrat auprès d'un informateur dans un restaurant. Une fois la cible désignée éliminée, vous pourrez récupérer votre récompense auprès de n'importe quel informateur. Bon, bah voilà, comment on va obtenir du pognon? On va aller détruire des petites bêtes dans la pampa. On va commencer par le premier. Juste histoire de se mettre en bouche, disons. Allez hop, petit contrat accepté, hurlement de faim, chasse acceptée, allons-y. Donc là, j'imagine... Pas d'imprudence. Non, mais pas d'imprudence, t'inquiète pas. Allons un petit peu dans la pampa, trouver ces petites bestioles-là. La réparation de la voiture, on n'a plus un sou. Bah oui, plus de thunes, mon pote, plus de thunes. Allez parler à Cindy. Ouh, alors, le prince mendiant, demandez conseil à Cindy. T'as tout compris. On va aller chercher, justement, on va aller faire la quête. Pour essayer de gagner un petit peu de pognon et bah déjà avec un peu de pognon ça ira un peu mieux. Alors Simdi, Taouti 0 sur 7, j'imagine qu'il faut en tuer 7. Ils sont avec moi mais mes compères ils sont avec moi. Ok, on va rentrer dans l'action un petit peu parce que c'est vrai que là ça fait un petit peu de blabla. Alors pour moi toujours ce qui a été impressionnant sur les Final Fantasy depuis que je les suis et depuis que vraiment je suis fan de la série de longue date, mes préférés étant le 8 et le 9 par-dessus tout. Après je sais pas lequel vous préférez vous, chacun a son petit favori bien évidemment, mais pour moi le 8 et le 9 sont quand même mes chouchous. J'adorais vraiment le système de combat en tour par tour. Malheureusement ils ont décidé d'abandonner ce système pour un système plus dynamique d'action. Ce qui m'avait déplu un petit peu dans le 12, mais bon, on va y voir un petit peu ce que ça donne justement dans le 15. Une jauge d'alerte s'affiche en haut de l'écran quand un ennemi vous repère. Lorsqu'elle s'étend sur toute la largeur de l'écran, le combat est engagé. Le temps de réaction varie en fonction des ennemis. Papapam ! Allez, on y va, on va attaquer un peu le beefsteak tout de suite, mon pote. Oupa !
Alors là, mon pote, je peux dire que le mec, je lui mets une petite branlée. Oh, d'accord, et il y a un mec là, il m'attaque. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Alors, on le verrouille. Wouhou! Alors, j'avais fait avant. Ça, c'est un truc que j'ai pas montré parce que forcément, c'était pas forcément utile de montrer ça. Mais juste avant de commencer le jeu, j'ai fait une petite, justement, initiation pour apprendre les mouvements du combat. Et finalement, c'est vrai que c'est nécessaire parce que là, j'aurais été un peu paumé. Alors, ce qu'on peut faire, ce qui est bien, c'est que tu verrouilles l'ennemi comme ça. Et lui, il peut lui jeter son épée, hop, pour automatiquement se téléporter sur lui. Et après, avec carré, tu fais les esquives. Et derrière, tu peux faire les contre-attaques. Wouh! Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Allez, on a déjà 4 sur 7. Hop là. Comme ça, au moins, s'il est un peu loin, tu peux aller l'attaquer direct. Et après, tu lui fais des petits combos. Il en reste à l'eau. Oup là. Bon, la caméra s'était éteinte. On y retourne. Allez, hurlement 9-1. Chasse réussie. Pom, pom, pom. Voilà. Nous avons gagné une griffe, machin, de l'essence de feu. Et de la thune aussi, je pense, j'espère. Alors, les PM sont épuisés. Là, on peut aller, on va se cacher. En fait, tout simplement, en bas à droite, vous avez la jauge des PM. Ici, on se met ici à couvert. Et automatiquement, elle se régénère. Voilà, bon, c'est juste pour ça. Bon, normalement, de toute façon, je pense que ça se régénère un petit peu avec le temps. Il n'y a pas besoin de le faire. Donc là, la mission est terminée. Attends, on va pas non plus engager le combat tout de suite. L'avantage de Final Fantasy XV, c'est que c'est un monde ouvert, tu vois, où tu peux aller où tu veux faire ce que tu veux. Un petit peu à l'image, on va dire, de GTA ou n'importe quel jeu comme ça. Et donc c'est vraiment kiffant, justement, d'avoir un jeu ouvert et pas linéaire, comme on a l'habitude d'avoir plus ou moins sur Final Fantasy. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un petit plus, on va dire. Et comme je dis, c'est vrai que pour moi, j'adorais vraiment Final Fantasy 8 et 9. J'adorais vraiment le système du combat en tour par tour. J'étais un petit peu triste quand ils ont décidé de l'abandonner pour arriver à quelque chose d'un peu plus moderne, d'action, etc., qui pour moi n'avait pas vraiment été bien réussi. Et c'est vrai qu'il semblerait que sur cette version du 15, ça soit plutôt intuitif et plutôt intéressant. Donc voyons voir un petit peu comment c'est. C'est vrai que je regrette un petit peu cette époque là et également quelque chose que j'adorais et qui était, on va dire, mythique sur les Final Fantasy à l'époque, c'était les cinématiques d'ouverture. Là, celle qu'on a eue là était, on va dire, classique, quoi, rien d'exceptionnel. Mais quand tu regardes la cinématique d'ouverture de Final Fantasy 8, je pense et je trouve que pour moi, c'est la plus épique et la plus jolie de tous les jeux vidéo confondus du monde entier. En tout cas, c'est celle que je préfère par-dessus tous les jeux vidéo, c'est la scène d'ouverture de Final Fantasy 8. Bon, après, on ne sait pas, peut-être qu'il y en aura d'autres, parce que généralement, ils commencent avec des petites introductions comme ça, puis après, bam, ils basculent sur des ciné. Bon, alors, tu me donnes la thune, mon pote ? Voilà, le combat est réussi, chasse terminée, hurlement de faim. J'ai réussi un petit peu de thune. On va pouvoir se prendre un petit chili con carne, c'est ma tournée, mon pote. Vous voulez quelque chose à manger ? Oui ! Bah là, on va en profiter. Bon, ça, c'est combien ? C'est 700 quand même. Alors, la chose que je me demande, c'est qu'est-ce que je dois en acheter un pour chacun ? Ou est-ce que automatiquement 700, ça couvre tout le monde ? On va y aller avec le chili. Hein. Confirmer la commande. J'apporte ça tout de suite. Ok. Bon appétit ! Merci ! C'est quand même bien fait, même la bouffe est bien faite, quoi. Ok. Bon. Ah. Il a appris une nouvelle recette. D'accord, le mec est en train de copier les recettes du restaurant. Tranquille. Ok, non, bah, tu fais ce que tu veux. Bon, on pourrait pas se faire une petite mission en plus, un petit contrat de chasse supplémentaire. Nous laisse pas une minute de tranquillité. Bah oui, je sais bien, mon pote. Je sais bien que les monstres t'empêchent de dormir. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Alors, ici, nous sommes dans le désert de Waver. Donc, du coup, on va rester dans cette zone-là. Profitant que c'est le jour, on va faire cette petite mission. Voilà. Désert brutal, chasse acceptée. On y va. On va aller faire une petite mission, un petit peu de pognon. Après, je sais pas s'il faut aller... je sais pas comment ça se passe. Oh, putain ! On y va, là. Est-ce qu'on peut voler les... le mec qui s'écrit dans le GTA, voler les véhicules et tout. Pourquoi se faire chier à attendre que la voiture se fasse réparer? Ah non, mais c'est la voiture du père aussi. Attends, on va pas la laisser non plus. On pourrait très bien en voler une. Il y a une bonne sensation, tu vois, il y a une bonne vibe, une bonne vibration. Quelque chose qui émane du jeu. Quand t'es dessus, tu kiffes. Alors, j'ai... C'est pas le moment de faire l'idiot. J'ai glissé. D'accord. Oh là là, l'épée de ouf, mon pote. Oh, Wouh. Ah oui, d'accord. D'accord.
D'accord, ça c'est de l'épée ça. Ah oui, ça fait plaisir. Mais on va prendre celle-ci parce que... Alors je sais pas si les autres vont me permettre de faire la téléportation. On va aller voir. Donc les petites bestioles sont là-haut. On va engager le combat. Alors, quand même un petit peu déçu parce que c'est vrai que généralement quand il y a un combat qui est engagé dans Final Fantasy, t'as quand même une petite musique épique qui retentit. Et là, j'ai pas eu l'impression qu'il y en a eu. Voyons voir. Ouh là, mon pote! Ah si, il y a la petite musique. Il y a la petite musique. Mais oui. Oh merde, putain, j'ai fait la garde un peu tard. Hop là, la petite garde. Contre-attaque. Alors, faut faire attention parce qu'il y a également les points de vie. Voilà! Hop là! Petite con... Ah putain, il a fait... Ah, double! Allez, c'est parti, mon pote. Oh là là, on lui fait mal. On lui fait mal. La bestiole. Ah, la bestiole, on lui fait mal. Putain, mais à chaque fois, il m'attaque. Oh, ils sont deux dessus, moi. Oh, esquive, esquive, esquive. Ouh, punaise. Putain. Ouais. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu perdu des fois avec l'action. Ouh là! Oh, il a esquivé mon truc! Merde! Alors, on peut faire des esquives et contre-attaques. Ah, j'étais un peu lent. Merde. Go! Voilà, hop là! On va le finir. Allez, tous sur lui! Alors, j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de santé par contre. Donc je sais pas comment je peux me régénérer ou pas, non? Comment je fais pour me régénérer? Comment je fais là? Ah ok. Ah je peux... Inverse... Ah d'accord. Ouh. D'accord, c'est quoi? C'est des super attaques ou quoi, non? Ah c'est même pas moi... Oh, trop classe! En fait, je peux prendre place sur mes camarades. Alors, attends, parce que là, je... Prends plutôt que tu gères. Allez, hop! Oh là là! C'est classe, ça, en fait! Ok, attends. Là, il a repris un peu de santé. D'accord, il reprend un peu de santé automatiquement, de toute façon. Ok, c'est bon à savoir. Putain. Alors, ouais, je me refais avoir un petit peu. Alors, attends, je vais essayer de refaire une attaque. Brutus, tu gères? Oh là là, le mec, il est triple, quadruple combo qu'il me fait. Mais il est trop classe. Oh Brutus, tu gères. Wouhou. Bon. Oh, il m'a fait mal, il m'a buté. Danger. Sauve-toi, sauf qui peut. Oh putain, alors attends, je vais changer d'arme. Oh merci. Aïe, il me régénère les mecs. Bon, je suis un petit peu novice dans ce type de combat là, donc... c'est vrai que sur le coup, je gère pas vraiment bien la fougère, disons. Putain, ils sont... On va y arriver, hein. Allez, bute-le! Voilà, il est buté. Petite esquive. Et il a réussi à me... Oh là là, elle est belle! Ouais, elle est belle celle-là! Oh là là! Oh, Statlack, mon pote! Allez, tu fais moi le malin, toi! Ouh! Allez! Oh là là! Je l'ai pulvérisé, l'autre! Oh, c'est trop bon! Hop là, on y va! Hop là! Lui, il a encore pas mal de vie! Venez m'aider! On va le finir! Oh, les petites contre-attaques que je lui mets! Elles sont quand même mignonnes, hein! Oh là là, bien wesh! Et des fois, c'est vrai que ça, il y en a un peu partout. Il y a des trucs partout dans tous les sens, je comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est super stylé ce qui se passe à l'écran. Oh là là. Il en reste un. On va essayer de finir lui quand même. Parce qu'il reste plus beaucoup de vie. Voilà, allez. Oh putain, je suis danger. Remets-moi un peu de santé, mon pote, s'il te plaît.
Voilà, on va prendre une autre arme. On se met un petit peu à couvert. Voilà, merci. Ouais, on va. Je t'inquiète, je t'avais vite en chili con carne tout à l'heure. Ça, ça va le faire ou pas? Wouhou! C'est bon, on l'a eu. Il nous en reste un, il nous en reste un. Il est où? Il est où? Wouhou! Allez, on le finit, mon pote. On le finit, mon pote. On le finit, mon pote. L'attaque de tous les dieux. Wouhou! Ah bah là, le mec, il a plus le choix, là. Il est tout seul, il est tout seul. Je lui fais des quadruples combos, mon pote. Ah, il ne comprend rien à ce qui se passe. Ah ouais, mais là, tu fais moi le malin sans tes potes, hein. On va prendre l'artillerie lourde. Oh là! Oh! Oh, c'était bon. C'était bon. Oh, c'était pas si simple que ça, mais c'était quand même kiffant. Voilà, mission accomplie, non? Je pense. Je pense, ok. Allez, on retourne au restaurant. Tournée générale de Chili Con Carne, mon pote. Ça va pas déconner. J'ai pas un chocobo quand même pour aller plus vite. Qu'est-ce que nous avons là? Oh non! Bon bah écoute, on s'y colle, on s'y colle. Bon bah eux, on va les ruiner vite fait, hein. Bon là, je pense que là... Eh, hey, sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Voilà, hop là. Oh la belle tringue. Oh le mec, ça va, ça va, ça va. Là, t'as regretté, je suis sûr, de nous avoir attaqué là, non? Wouhou! Ah, c'est ça qui est dans Final Fantasy, hein. Tu te balades dans le monde comme ça et les combats peuvent sortir de nulle part. Et c'est vrai que des fois c'était un petit peu chiant parce que t'étais en train d'aller sur un point justement pour aller rencontrer un boss ou quoi. Donc t'avais fait un petit peu le plein d'énergie, de potions, de tout, tu sais, genre t'étais OP. Et là des fois t'avais trois combats sur une petite distance, tu fais putain les mecs. Bon, tu peux toujours t'enfuir. Donc on retourne au restaurant. Bah non, c'est là où je suis con, moi. On va aller chercher notre butin. Voilà, 990 000 plus un super élixir. C'est bien. On va prendre un petit comme ça qu'on a de la thune, voir un peu ce que ça fait. Ça roule. Comme ça, l'autre, il va apprendre une nouvelle recette en plus. Oh, ça n'a pas l'air mauvais. Ah non, c'est vrai que ça donne même faim. Putain, enfoiré, va. Bah. Tu viens donner la dalle. Donc à chaque fois qu'on bouffe, en fait, ça nous augmente nos niveaux ou comment que ça se passe? Je saisis pas en trop encore. Ouais, c'est comment, tu commences un jeu, bah t'es là, tu sais pas, et puis bah et t'apprends quoi. Bon, merci mon pote. Ça y est, les icônes et jauges de durée sont affichées en bas de l'écran, d'accord. Le prince mendiant demande des conseils à Cindy. Allez, on va aller voir Cindy. Déjà de retour? Ouais. La voiture est loin d'être prête. Y a un problème? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà de retour? Ah, y a un temps aussi. Demander un prêt, demander aux autres. Demander un rabais. Bon, on va demander un rabais. Je te paye nature. C'est quand même un peu cher. Hein? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payé pour cette mission. Ah! Avec votre argent, en quelque sorte. D'accord. Ok, c'est un échange de bons procédés alors. Et moi qui espérais pouvoir gagner de l'argent. Il y a une super armurerie derrière, ça pourrait être sympa, non? Vous gagnez 10 points de combat, ok. Vous pouvez apprendre des nouvelles compétences aux 4 personnages en dépensant des points de combat. Ah, des points de compétences, pardon. Alors, je crois que c'était points de combat, mais bon, ça aurait pu. Dans la rubrique compétences du menu principal, ok. D'accord. Donc, compétences. Les points de compétences permettent d'obtenir des capacités spéciales. Vous obtenez des points des PC en augmentant de niveau, en accomplissant des quêtes ou en gagnant l'estime de vos amis lors de certaines conversations. Ok. Permet de faire une esquive sans dépenser de points de magie en appuyant sur carré juste avant de subir une attaque. Ah, ça pourrait être intéressant. Mais je vais au plus tôt choisir ça, voilà, ok. On va augmenter un petit peu les points de combat. Ici, augmente... Ah non, j'ai pas assez de façon de points de combat. D'accord, donc tu vois en fait sur les compétences que tu veux améliorer, tu vois sur quel personnage c'est actif. D'accord, ok. Je comprends le truc. Accélère le regain de PV et de PM que Noctif obtient quand il se met à couvert. Ok, on va prendre ça. Oui. Voilà, donc là, j'ai plus que 2 points de compétences, donc je pense que ça sera pas nécessaire. Attention à ne pas chasser la nuit. Les démons sont beaucoup plus coriaces.
D'accord. Voilà un peu d'argent. Merci. De quoi passer une bonne nuit. Putain, et en plus, ça me donne du pognon. D'accord, ok. Alors, l'armurerie, là, qui se passe, là, parce que ça a l'air intéressant, quand même, mon pote, là. J'ai un peu de pognon. Vous intéresser dans mon stock. Alors, vous aurez besoin de Giles pour faire des achats ou passer une nuit dans une caravane ou dans une chambre d'hôtel. Pour gagner des Giles, vous pourrez remplir des missions, ça, on le sait. Ah, acheter ou vendre. Acheter. Qu'est-ce qu'il a? Épée large. J'ai pas déjà une épée large, moi? Alors, le mec, il attend... Ah non, ok, je me disais, il a que ça. Ah, et ça monte les petits personnages, c'est trop classe, un petit peu genre à l'ancienne, genre à la Final Fantasy VII. Ah, c'est bon, ça. Putain, je suis un petit peu perdu, là. Qu'est-ce que j'ai comme épée? Moi, j'ai une épée large ou quoi? En stock, 0. Donc, on va voir pour une petite épée, à la limite, attaque 42. On va en prendre une. Les affaires sont les affaires. Voilà, pour voir ce que ça fait. Ok, choisissez les armes, accessoires, tenues et commandes des personnages. Noctif peut s'équiper de 4 armes, mais ses amis sont limités à 2. Pour voir la légende des icônes, appuyez sur le menu principal. Ok. Donc, Noctif. L'arme... Ah, d'accord. Attaque 28. Attaque 42. Ah bon, on va prendre celle-ci. Ok, ça y est. Je commence un petit peu à me repérer un peu dans le jeu. Il y a pas mal de choses, donc il faut un petit peu de temps, bien évidemment, pour assimiler tout, s'y repérer et aller relativement vite dans les manips. Okay. Bon, comme il dit, allons-y. Ça va se fighter, mon pote. Le prince mendiant. Éliminer les monstres dans le périmètre indiqué. Donc il y en a 3. Bon, je pense que ça va aller quand même. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Sans oui. Attaque, Noct. Alors c'est quoi cette espèce de gros... Ah oui, d'accord, des gros scorpions. Ok. Bon, allez, hop là. On commence, mon pote. Oh! Ah d'accord, alors ouais, on va dire que c'est allé relativement vite. Bon, c'est des niveaux 1 aussi, hein, tu vas me dire. Ouais. Voilà, bon, je pense que... Voilà, éliminer les monstres d'un pyramide. Ah donc 1 sur 3, d'accord, donc c'est... Ok, donc c'est 3 sessions. D'accord, je croyais que c'était 3 monstres qu'il y avait là. Non, c'est... C'est 3 petits périmètres. Bon bah écoute, de toute façon ceux-là on va dire que c'est allé relativement vite. C'est les mêmes monstres tout pour œuvre. Bon bah on va les niquer assez facilement. Hein. Oh c'était combo que je leur mets, mon pote. Oh là. Oh la vache. Ah j'ai plus de... Ah ouais, d'ailleurs, merde, j'ai plus de points de magie, d'accord, ok. Excuse-moi, attends, je te réduis en bouillie, voilà. Les PM sont réduits. Donc là, pour ça, on se met à couvert. On attend que ça se régénère un petit peu les points de magie. Et on y retourne, allez. Allez, on est parti, on va se fighter. On va se refaire un petit enchaînement. Oh là là, la petite liaison vulnérable. Qu'est-ce qui se passe? 2 coups. Oh là, il m'a attaqué par derrière, le traître. Oh là là, et c'est quand même stylé les enchaînements et les actions. Y a rien à dire, c'est que du bonheur. Bon bah, ça se fait plutôt simplement, on va dire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un truc qui a vibré là, non? Ah, j'ai un téléphone. Allô? Oui. Bonjour. Salut. Ouais. Ouais, on a fini. Qui est achevé? J'ai une autre mission pour vous. Ah! Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. D'accord, ok. J'ai vu la cabane. On va aller chercher Dave? Rien à voir avec le chanteur. Hein. Je pense que c'est un chasseur. Hein. Ne vous trompez pas. Dave. Il a disparu dans la nature? Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane. Ouais, enfin, elle est juste là, la cabane, hein. Je sais pas si... Bon, la nuit commence à tomber. Ça veut dire qu'il y a des monstres un petit peu virulents qui vont sûrement sortir. Nous sommes devant la cabane et on va chercher Dave, le chasseur. Il est où? Il est enterré sous les dalles ou quoi? Ah, examiner. Alors... Un bicorne mutant, reconnaissable à ses cornes rouges, a été repéré près de... près d'Amer... Ed, voilà. Maintenant, merci d'éliminer au plus vite cette terrible menace. Note, l'élimination des tatouis de la région est aussi récompensée. D'accord, ok. Bon, en gros, tu butes tout ce qui bouge. Oh, qu'est-ce qui se passe? On est attaqué? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Ne parle pas trop vite. Oh la vache!
Ah d'accord, on s'y attendait pas. Mon pote, ça va chier des bulles. Wouhou, triple esquive, quadrille. Oh là là. Non mais ils vont regretter d'être venus au monde, hein, c'est mécréant. Oh, oh le combo qu'on leur a mis, mes potes. Pouf, séché. Ah d'accord, en fait, on savait pas vraiment quelle cabane c'était ou comment que ça se passe. On est en train d'explorer toutes les cabanes pour retrouver Dave, en fait. Ok, bon, bah, on va aller là-haut. Bon, c'est sympa comme petite mission, ça. Ah, il y a du monstre, il y a du monstre. On peut pas acheter une grenade flash. Attends une minute. Ah. J'ai un plan. Attends, il a un plan. C'est quoi ton plan? Oh, je vois. Ok. Alors, les camarades de Noctif proposent parfois des stratégies lors des combats. Suivre une stratégie permet de gagner des points de compétence. Alors, vous pouvez vous téléporter à un endroit marqué, d'accord. Ça, on le sait. On fait comme ça. Hop là! Wouh! Restez en hauteur. Ouais, j'avais vu déjà le... Voilà, hop! Oh, la surprise, mon pote! Attaque surprise, esquive. Ah! Putain! Griffe de coyote! Mayday, mayday, mayday! Ben oui, jeu d'enfant. Oh là là, les téléportations, combo, tout ce que je lui mets. Pff, 6 coups. Hop, attention, hop là. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Bon, on a un autre truc par terre là, un indice. D'où vous sortez, vous? Ah, c'est Dave. Alors, c'est toi, Dave le chasseur? On te cherchait. Ça va aller? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Ah. Les monstres étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un, plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costaud. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit? Bah écoute, hein. Accepter gratuitement, accepter contre une récompense, demander aux autres. Gratuitement, je suis pas très sûr. On va plutôt accepter contre une récompense. Voyons voir. On propose, hein, si jamais il dit non. Ok, on s'en occupe. Mais il y aura une récompense? Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Tu penses à tout, Noct. Pendant un moment, j'ai bien cru que t'allais faire ça gratuitement. Bah, eh oh. Attends, mais le mec, il m'a pris pour qui? Business is business, mon pote. Qu'est-ce qu'on a là? Éclat de blanche lit. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc là, il faut qu'on aille voir le mutant pourpre. C'est là où ils ont localisé la bicorne mutant. Ça paye tes blases quand même. Et qu'est-ce qu'il y a? On vient de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Préparez-vous au combat difficile qui vous attend en campant dans le sanctuaire le plus proche. Camper permet d'effectuer deux choses très importantes. Manger pour obtenir des effets bénéfiques temporaires, dormir pour assimiler de l'expérience gagnée et augmenter de niveau. Ok. Bonne idée. Ok, on va aller faire une petite pause. Mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. D'accord. On va aller faire une petite pause avant d'attaquer le mutant pourpre. Ils sont presque comme nos patrouilles de police. Bah c'est de toute façon, ouais, voilà, il y en a une là-haut. C'est quand même étrange comme endroit, mais ça a l'air plutôt sympa. Convivial, non? Non, bah écoute... Qu'est-ce que c'est que ça? Camper. Ah d'accord, on va camper alors. Oh, c'est trop classe. Alors, moi, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'ils ont gardé cette tente et ces chaises jusque-là? Ils sont allés les chercher où? Genre, il y a un petit casino dans le coin ou comment que ça se passe? Ok, non, mais les mecs, ils sont équipés! Mais ils ont caché ça où? Tout ce temps? J'ai pas vu de magasin dans le coin. Non, mais en tout cas, c'est stylé, franchement. Petit campement, on va aller se battre contre la bicorne rouge, ou je ne sais pas quoi son nom. Il me propose une tartine de pain. Non, mais tu te fous de ma gueule. Alors, Unis utilise les ingrédients dont vous disposez pour cuisiner ces plats. Vous aurez plus de choix à mesure qu'il apprendra de nouvelles recettes. Les effets procurés par la cuisine vous permettront de combattre plus efficacement. D'accord. Alors, je ne peux pas faire le ragout quai, apparemment. Il n'est pas en surbrillance. C'est que j'ai pas peut-être assez. Mais je pense qu'un petit ragout de légumes pourrait mettre en forme, hein. Un petit ragout de légumes. Ah, c'est parti.
Oh, la petite musique, mon pote. Oh non. Oh, et là, vous savez pas les moments, les souvenirs qui sont remontés d'un coup, là. Pff, oh là là, c'est tellement lourd. Ah, ça fait tellement plaisir. Ah, vraiment. Moi, mon rêve, ça serait qu'ils fassent un petit Final Fantasy 8 ou 9 remasterisé. Mais bon, on sait déjà qu'ils vont faire le 7, même si c'est pas mon préféré, ça va faire plaisir. Mais bon, j'ai comme entendu que pour Final Fantasy 7, ils vont pas sortir le jeu d'un coup, mais ils vont le sortir en épisode. Tu vois, déjà, ça semble moyen. Prompto prend des photos au cours du voyage et les montre aux autres avant de dormir. Vous pouvez enregistrer celles que vous préférez afin de les conserver. Ah, ok. Vous pouvez aussi partager vos photos sur les réseaux sociaux. Oh, ok. Celle-là est plutôt sympa, j'ai envie de dire. On va la garder. Dis donc, le petit photographe là, tu serais pas un petit cochon toi? Hein? Donc voilà, nous avons campé, bien mangé, on s'est reposé, on est prêt à partir au combat. En tout cas, c'est là que je vous laisse sur cette découverte du monde de Final Fantasy XV. C'est un jeu sur lequel il faut des heures et des heures et des heures de jeu pour avancer dans l'histoire, etc. C'est pour ça que la découverte dure assez longtemps par rapport aux vidéos que j'ai l'habitude de faire. Et de toute façon, c'est le minimum que tu dois faire pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et rien que là, déjà, ça promet, voilà, vraiment. Donc je laisse, si ça vous intéresse, justement, le mutant pourpre pour un prochain épisode. Si vous le voulez, n'hésitez pas à le faire savoir par commentaire. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment kiffé cette petite aventure, ou en tout cas ce petit début d'aventure sur Final Fantasy XV. Je vais bien évidemment continuer à explorer le monde et voir un petit peu. C'est le genre de jeu, une fois que t'as commencé, c'est difficile de t'arrêter. Ça, t'es pris dans l'histoire, dans l'aventure. Et j'espère que vraiment le jeu sera à la hauteur de tous les bons souvenirs que j'ai de Final Fantasy de cette époque. Alors c'est vrai que de mon côté, il y a toujours ce petit côté nostalgie qui parle et qui influence un petit peu mes jugements sur tout ce qui sort après. Mais j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de mes espérances et de la hauteur des espérances de tous les fans de la série, bien évidemment. En tout cas, voilà, c'est tout pour la découverte de ce jeu qu'on attendait depuis un petit moment. C'est prometteur, mais bien évidemment, c'est un jeu qui offre des heures et des heures et des heures d'aventure. Donc c'est pas simplement en une heure qu'on peut faire un petit bilan, hein, c'est beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, sur un petit début, un petit amuse-bouche, c'est plutôt satisfaisant. J'espère que ça vous a plu, en tout cas cette petite vidéo. N'hésitez pas vous à donner votre avis, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà tout ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ça et tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, c'est plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.